Bonjour, je vous retrouve pour vous présenter un projet que j'ai fait. Donc, je l'ai fait pour le Noël de ma sœur. On va se faire des calendriers de l'Avent et ça sera notre cadeau de Noël. Donc, du coup, je lui ai fait un carnet de recettes. Je l'ai fait avec une reliure en plastique. Donc j'ai mis des die-cuts du bloc de Noël de chez Action. J'ai essayé de vous le trouver. J'ai pas pensé de le préparer avant. Donc c'est celui-là. Et pour les pages, j'ai pris celui-ci. Donc c'est relax. Ça fait un petit moment qu'il est passé chez Action. Et j'ai pris celle-ci, celle-ci, et je crois celle-ci aussi. Hop, donc ça, j'ai pris les die-cuts à découper. Donc j'en ai encore, je suis en train de faire un deuxième projet avec. Donc là, j'ai fait des petites pochettes. Comme ça, elle peut y glisser des recettes quand elle en trouve dans un magazine ou qu'on lui donne. Là, j'ai fait une petite déco. Donc là, j'aimerais marquer soit en découpe, soit au stylo recette de repas. Et là, je vais marquer recette. Parce que je voudrais lui en faire un spécial cookéo. Donc j'ai refait une pochette là. Des petits die-cuts là. J'en ai mis quelques-uns en 3D. Donc j'ai pris le scotch 3D de chez Action. J'ai pris la colle Tacky Glue de chez Action aussi. J'ai mis des papiers. Ça doit être du 80 grammes ou du 100 grammes, c'est pas très épais. Là, j'ai remis des die-cuts, donc là, j'aimerais marquer dessert. J'ai essayé de que ça soit le plus beau possible. Et là, j'ai remis une pochette, des die-cuts, et il y avait la recette des cookies en die-cut, du coup, je lui ai mis ici. Ça fait comme une petite carte. J'ai remis des feuilles. Donc, j'avais que bleu, donc du coup, j'ai pris bleu, mais c'est pas un problème. On voit bien quand on écrit en bleu, en noir. Et à la fin, j'ai remis des die-cuts et une pochette. Comme ça, elle peut y mettre tout ce qu'elle veut. Donc, le plus longtemps que j'ai mis, c'est à coller les petits die-cuts. Là, je l'ai mis en 3D. Ça, je l'ai mis en 3D. Ça aussi. Mais je trouve qu'ils sont bien faits, les die-cuts des paper blocks. J'aime bien prendre ces paper blocks là, on trouve quand même pas mal de choses pour décorer. Donc voilà, je voulais vous le faire voir pour vous donner des idées. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.